Salut les gens! Salut à tous et bienvenue aux petits nouveaux qui découvrent l'anime du Kitsune. Aujourd'hui, on va parler de Tokyo Ghoul. Oui, l'anime avec des ghouls. Ouais, c'est Tokyo Ghoul, c'est à Tokyo et il y a des ghouls. Voilà. Alors, Tokyo Ghoul est un fantastique action, drame et horreur de Shuu Ishida qui, en fait, c'est son premier anime, enfin, premier manga, vu que c'est un manga qui a eu une adaptation en anime. Et pour une fois, c'est une putain de bombe. La saison 1, la saison 2, on en reviendra tout à l'heure. Alors Tokyo Ghoul comporte deux saisons, la saison 1 qui a été lancée en 2014, donc en juillet, et la saison 2 qui nous est arrivée en 2015, en janvier, et qui s'est finie, si je me trompe pas, il y a deux semaines. Alors la saison 2 de Tokyo Ghoul a un nom particulier, parce que ça fait une racine carrée avec un A. Personnellement, je sais pas ce que ça veut dire, mais il doit y avoir une traduction. Il nous est tout droit sorti des studios Pierrot, mais comme vous savez, tout ce qui est bien et beau est licencié, et donc Tokyo Ghoul est licencié par nos amis de chez Wakanim. Merci Wakanim! Mais bon, c'est pas pour ça que vous pouvez pas le trouver. Alors l'histoire se concentre dans un Tokyo plutôt moderne, mais il n'y a pas que des humains, il y a aussi ce qu'on appelle des ghouls. Une ghoul, c'est mignon. Mais alors une ghoul, qu'est-ce que c'est? Et là, Kamtar vient vous dire ce qu'est une ghoul. Une ghoul, oui, parce qu'on dit une ghoul, ça peut être autant féminin que masculin, vu qu'il y a des hommes et des femmes ghouls. Ben c'est un humain. Mais c'est un humain. Qui bouffe d'autres humains. Bon là vous dites, mais non, mais c'est pas une ghoul, c'est ça, c'est un kinball. Sauf qu'attention, la ghoul possède des kagunés. Ça dépend en fait de la ghoul. Par exemple, Toka, elle a un kagunet bizarre. Ça fait une sorte d'aile de papillon, ici par exemple. Hein. Et par exemple, Kadiki, lui, possède 4 trucs bizarres dans le dos. Et pour ce qu'il en est, pourquoi est-ce que les ghouls bouffent des humains? Eh bien, c'est parce que les ghouls n'ont pas la langue comme nous. Donc s'ils bouffent notre bouffe, ils pourront pas la manger, ils vont la vomir. Alors que, en fait, s'ils bouffent des humains, c'est la seule chose qu'ils peuvent bouffer. Et pourtant, ça les amuse de tuer des humains. Moi, ça m'amuse aussi d'arracher les yeux aux personnes. Sauf que moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent que je leur arrache les yeux. Du coup, la peur et le chaos règne à Tokyo. C'est pas comme si t'allais dire « Oh, il y a des ghouls, je veux être mangée !» Non. Mais malgré tout, il y a des personnes qui veulent tenter de vivre, donc de vivre une vie normale. C'est pas forcément parce que tu sors dans la rue que tu vas te faire bouffer par une ghoul. Donc ces personnes essayent de vivre normalement. La vie qui vient, quoi. Seul le destin pourra leur dire ce qui va leur arriver. Et même si un soir tu sors dans la rue et que tu sais qu'il y a des ghouls qui sont là pour te bouffer à chaque coin de rue le soir ou t'attraper et te tuer, et bah tu vis une vie normale. Ah, venez me manger! Venez me manger! Oui! Alors, du coup, on va suivre Kaneki, un étudiant de 18 ans. Kaneki-sama! Il va malencontreusement faire la rencontre d'une ghoul et va presque y laisser sa peau. Sauvé de justesse, il va quand même survivre à ce que la ghoul l'a attaqué, vu qu'en fait les médecins vont lui greffer les organes que la ghoul avait détruites sur Kaneki. Donc en fait, ils vont prendre des organes de la ghoul et les mettre sur Kaneki. Sauf que les médecins ne savent pas que c'est une ghoul, vu que les ghouls ça ressemble à des humains. Et tu peux voir une ghoul juste parce qu'elle a les yeux noirs et les pupilles rouges, ou par leur cagoné. Mais bon, il vit quand même, mais en étant une ghoul. Voilà, Kaneki en fait sera désormais mi-ghoul, mi-humain, et franchement il va très mal le vivre, hein, on le voit dans l'épisode 1. Du coup Kaneki va vivre un véritable enfer. Mais bordel de merde, je kifferais être une ghoule. T'as un kagouné, tu sautes partout, tu peux sauter super haut, tu peux tuer des gens et leur arracher les yeux avec une cuillère. Ouais non, pas moi, j'arracherai les yeux des gens. Franchement, Tokyo Ghoul est un anime qui va complètement s'y. Il nous parle d'une histoire d'une ville où en fait à chaque coin de rue, on peut trouver la mort. Là où des humains sont un vaste gibier pour les ghouls.
Quant à Kaneki, on suit son développement à devenir une ghoul parce que passer ça du jour au lendemain, c'est vraiment un changement radical au niveau de sa vie. On passe d'un étudiant simple qui va devoir faire face à sa nouvelle vie de ghoul. Adieu les petits plaisirs humains, adieu la bonne nourriture, bonjour les humains tout frec. Est-ce qu'on peut cuire de l'humain? Franchement. Parce que si tu les bouffes crus, je suis sûre on peut les cuire. Ça doit être super bon. Mais tout ça bien sûr avec une petite pointe d'humour, du sang et des combats. Mais franchement, le seul truc qui m'a énervé dans Tokyo Ghoul, c'est la censure. On est bien d'accord, la censure gâche tout. Alors niveau des graphismes, on peut dire que Tokyo Ghoul est vachement beau. Comme je le disais tout à l'heure, le manga pour moi, il est pas si beau que ça. Franchement, Tokyo Ghoul, les graphismes sont énormes. Pas aussi énormes que ceux de Sword Art Online, mais ils sont tout de même énormes. Et encore un opening qui sait nous faire mouiller. Franchement, j'arrête pas de dire ça, mais là, Tokyo Ghoul, c'est juste... Ah, c'est juste... Ah. L'opening de Tokyo Ghoul, c'est... Hein, c'est moche, c'est nul. Y'a pas d'action, y'a pas de rythme. Les dessins, après, c'est juste des gens qui te font... Ah, tu as un masque et hop, tu n'as plus de masque. Bref, même si l'opening 1 est mieux que l'opening 2, la saison 1 est mieux que la saison 2. Je spoilerai pas franchement sur la saison 2, je dirai juste ce mot. Centipède, qui en plus sécrète de l'acide. Bref, si tu n'as jamais vu Tokyo Ghoul, je t'invite et je t'oblige à le regarder. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Et aussi parce que visuellement et sonoriquement, Tokyo Ghoul en vaut la peine. Il nous fera passer dans un bon moment, agréable, avec du sang, et aussi son originalité, qui vaut aussi la peine d'être vu ou lu. Oui, je parle du scénario, banane. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Tokyo Ghoul. J'espère que je t'ai donné envie de le regarder. Tu peux aussi t'abonner et me suivre sur Facebook ou Twitter. J'y suis jamais, mais on s'en fout. Mais pour vraiment savoir là où je suis franchement sur YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bisous. Here we go, come with me.